Continuez, mon troisième, on a bien vu les rouges. On a parlé des problématiques qui toccano les piccole comunes du centre de l'isola. Et de vista, si vous voyez, in Nerone, di la comune più ciuga, in Corsica, c'è una decina di persone che ci stanno all'annata, c'è 28 persone iscritte dans la liste électorale. Et on a scontré un maire, un jeune maire, Stéphane Gilles-Bittori, qui ci aspetta in piazza. Stéphane Gilles, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir à Erone. Notre petite commune. Vous nous faites visiter un petit peu les ruelles. Donc là, on est au centre du village. C'est le cœur qui a été récemment rénové. Donc on a fait un dalle à Jean-Pierre de Pays avec une allée là en Richade. C'est important d'investir comme ça au cœur du village, le rendre plus agréable peut-être. Oui, c'est la base. Si on ne donne pas envie aux gens de s'installer, je ne vois pas vraiment comment on pourrait arriver à ces fins-là. Le cadre est très important. Aujourd'hui, Erone, c'est une dizaine d'habitants l'hiver. Est-ce qu'on arrive quand même à trouver la force d'investir ? La force, oui, on l'a, bien sûr. D'autant plus que voilà, nous sommes une équipe... fraîchement composé, donc voilà, on a une bonne dynamique, je vais dire. On a des projets, on est force de proposition, tous, et on œuvre ensemble pour le bien-être de tout le monde. Et malgré tout, voilà, même si on n'a pas beaucoup de population, on fait tout pour eux. Il y a une dynamique qui peut se créer quand même pour faire peut-être revenir des gens ici, pour faire revivre le village. Alors oui, on a mis en place pas mal de choses à ce niveau-là. On a fait une rénovation là d'un appartement communal. Donc voilà, qui a été loué d'ailleurs. On a un couple là qui s'est installé. Il y a d'autres projets qui vont voir le jour dans les prochains mois. On va peut-être aller les voir, je crois, du côté de l'église d'ailleurs. Voilà, oui, avec plaisir. D'ailleurs, on a une particularité, c'est que l'église n'est pas à l'intérieur du village. Donc suivez-moi, il y a un petit chemin. In cun cento di migliaia di euro di budgetto, le piccole comuni di montagna sono spesso aiutate da collettività di Corsica. Qui parecchi lavori sono stati finanziati a 80%. L'électrification des campagnes et au Tidia du Nord dans Taïja, les travaux de rénovation ne manquent pas. C'est un budget conséquent, bien entendu. Après, voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est pour ça que là, ça fait plusieurs années qu'on est dessus. Hein. Ça ne date pas de mon mandat. Petit à petit, en fait, au fur et à mesure des enveloppes, on investit dans des projets divers. Voilà, on essaye de varier après pour œuvrer pour l'intérêt public. Hein. Forcément, on ne va pas tout miser aussi dans l'église. Il faut aussi, y a de la rénovation à faire au cœur du village. Voilà, donc on essaye de prioriser un petit peu tout ça. Et oui, au fur et à mesure, on arrive à avancer correctement. Et vous guidez à Erone, mandant là, non, qui c'est au maire, qui ci aspetta. E c'è da parlare di come lo vede lo sviluppo di Lenterno. Saluto Berlesca. Saluto. Ringrazio di dirigere. Sì, è devo benvenuto qui. Allora, non siamo mica messi qui per azzardo, posto che siamo davanti a casa comune, si vede, ma questa casa comune non è che provvisoria, ma prima di principio, come si campa qui in là, in generale, all'annata? Allora, all'annata sicuro. Sì, sicuramente siamo una decina di persone qui. E giustamente, come ciò che noi abbiamo da avere da noi qui permette di far stare niente qui? C'è una casa comune con i soldi, ma c'è un appartamento sopra qui. Abbiamo fatto un appartamento qui e ci sono due persone che stanno all'annata qui. E quando noi a Maria chiederà qui, per andare a Nuella Maria, qui adesso è il vuoto. Di parlare dell'appartamento, che da nasce qua giù, ma di noi di Samaria che in Travai ci mostra di voi se a strada per andarci. Oui, bene, andiamo buono. Pierre Leschi giva a Uisida di Lano, due baisori, una ventina di case e progetti in ogni scorno, da un muro, una fontana o porvi importanti. Qui abbiamo una casa comunale che adesso è un progetto che adesso è arrivato e adesso è arrivato qui e... In principio l'annata cominciano di 24 cominciano i lavori. Allora, cominciano i lavori. Di uno degli investimenti che permette agli altri di stabilirsi in paese. Di stabilirsi in paese, ora deve essere uguale. Qui per esempio mi arriva tutto, arriviamo tutto completamente, ho detto tutto completamente, adesso una casa che adesso anche in guarno ci potremmo stare.
E a me ciò che mi interessa è avere appena niente in guerra, sicuramente. Perché di stadino, vabbè, siamo abbastanza, siamo numerosi, ma di guerra. Io se dice un coppio ancora che qui ci può restare un coppio ancora che si dice, perché qui in San Lorenzo c'è una scuola. Da poi la selezione nel 2014 Omere di Lama ha portato Barretti e Brugetti. Sono più di 800.000 euro che sono stati investiti qui. Appartamenti, casa comune nuova, forno, accessibilità. In dei paesi trovaio o mancano. Basta l'impegno di gente e forse una bella strada che in Valle Ruscia Barretti la spettano.